c'est nous là maintenant. Salut à tous, c'est Etienne et Julien en direct de Tokyo. Donc là nous sommes dans le quartier de Shibuya, un des carrefours les plus fréquentés du monde, avec énormément de différences éclectiques. Donc je vous laisse apprécier tout ça. Tokyo, c'est la mégalopole par excellence. 33 millions d'habitants en comptant son agglomération. C'est tout simplement la plus grande ville du monde, avec des quartiers tous autant différents les uns que les autres, qui mêlent à la fois tradition et de l'autre côté modernité. Mais carrément, tout au long de la semaine, on a ressenti cette opposition, avec d'un côté la tradition qui perdure dans le temps, avec les temples et la religion très présente, et d'un autre côté la jeunesse toujours plus attirée vers le high-tech, les jeux vidéo, les mangas. Exactement, Étienne. Et en parlant de religion, là par exemple, tu vois, ça c'est un tori qui se trouve à l'entrée de chaque sanctuaire. Il y a aussi deux rituels, le rituel de l'encens. Tu les vois d'ailleurs se draper d'encens, apparemment ça porte chance. Et puis il y a aussi un autre rituel, et là, c'est le rituel de l'eau. Pour finalement arriver dans le temple et faire la prière. Tonight's gonna be a good night. I feel it. Woo-hoo. That tonight's gonna